robot rigolo. Est-ce que Laure est là? Oui, patron. Tout s'est passé comme prévu. Laure est en sécurité. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Et un de plus, et sans mauvaise surprise, c'est clair? Oui. Alors fais-le. Waouh! Comme un vrai pilote! Salut, comment aimes-tu ma jolie chose à deux roues? À couper le souffle, Amy! Tu as bon goût! Ouais, si tu veux, tu peux l'essayer un peu. Mais un peu, juste un tour. Je ne l'ai pas encore complètement apprécié. Merci beaucoup pour l'offre, mais... Et voilà! Qu'est-ce que tu en penses? Waouh, cool! Je voudrais proposer une course dans ce cas. Voyons ce que ces beautés d'acier peuvent faire. Allons-y, Andy Andy, allez! Allez, Andy Andy, suis-moi! Pourquoi es-tu si lent? Ah, les filles! Tiens bon, Amy! Attends une seconde et je vais te montrer comment on conduit! Et alors maintenant, tu as compris? Ne te détends pas trop, je vais finir la première de toute façon. Allez, c'est parti! Waouh! Cool! Quelle vitesse! Youhou! Qu'est-ce que c'était que ça? Quelle vitesse! Waouh! Poursuivons-le! Nos motos ne sont pas plus mauvaises! Allons-y! Eh oui, attends! Ne va pas si vite! Ne te précipite pas comme ça! Attends! Attends-moi! Amy, attends! Arrête! Ce pilote me rappelle quelqu'un! Qui peut-il te rappeler? Tu es ennuyeux, Andy Andy. C'est une course, mais tu n'arrêtes pas de dire stop, stop. Je ne suis pas une petite fille. Je peux aller où je veux. Tu n'es pas une petite fille. Mais écoute, celui que tu poursuis... Oh non! Non, 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 c'est impossible! Je ne peux pas le croire! C'est juste impossible! Ils m'ont kidnappé, attaché et enfermé, puis abandonné dans la forêt. Ouais, c'est Razor et Rocco. Nous devons nous cacher, vite appeler la police! J'écoute! Officier, nous avons besoin de votre aide! Venez à la décharge immédiatement! Razor et Rocco sont ici! Oh, ils sont en train de partir! Nous ne pouvons pas les perdre! Poursuivons-les, Amy! Soyez prudents, Andy Andy! On arrive! Nous ne pouvons pas le laisser nous repérer! Sinon, tout va rater! Il pourrait s'échapper encore!
Est-ce que quelqu'un nous suit, Rocco? Non, tout est ok. Va plus vite. Nous devons ancrer un bateau plus près. C'est trop loin, là. Ok, alors allons-y. Ok, ne t'inquiète pas, rien ne va se passer avec l'or. Il n'y a personne dans le port. Ne bougez plus! Vous êtes encerclés! Rendez-vous! C'est fini! Fuyons, Rocco! Nous devons prendre la fuite! Vite! Le patron va nous tuer et l'or est dans le camion! On s'en fiche de cet or! Allons-y! Waouh! Waouh, ça c'est intéressant! Andy, Andy, on doit se voir urgemment. Je pense que j'ai trouvé une carte au trésor. Waouh! Waouh! Ah! Oh, quelle nouvelle! Ok, Amy, d'accord! C'est super. Ces chasseurs de trésors vont nous amener à l'endroit. Et tout se passera comme prévu. Alors maintenant, Andy Andy, nous devons faire 20 pas vers le nord. Je vais utiliser la boussole pour trouver le bon chemin. J'ai une boussole. Ça aide les gens à trouver la bonne direction où aller. Ça identifie les côtés du monde. Cette aiguille magnétique se concentre sur le champ magnétique terrestre. Ça va nous aider à montrer maintenant où est le nord. Et nous suivons le chemin. Et voilà, le nord est là. Ça veut dire que le sud est du côté opposé. L'est à droite. Et l'ouest à gauche. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Amy, nous sommes au bon endroit. Voici le rocher. Voici la porte. Mais comment allons-nous l'ouvrir? Oh, ça ne va pas être facile. La porte est très lourde. Je réfléchis, Andy Andy, réfléchis. Ah, j'ai déjà vu cette photo quelque part. Ma grand-mère m'a donné ce médaillon il y a longtemps. Elle m'a dit de le garder, le surveiller comme elle l'a fait et comme sa mère l'a fait avant. Peut-être qu'il peut nous aider à ouvrir la porte de la grotte.
Allons plus vite. Suivons-les pendant que la porte est ouverte. Waouh, waouh, c'est un vrai trésor, Amy. Ouais, Ndiandi, je n'arrive toujours pas à croire qu'on ait réussi à le trouver. Il y a un rubis rouge au milieu. Incroyable, belle pierre. Ma grand-mère m'en parlait souvent. Elle a un pouvoir magique. C'est une pierre inhabituelle. Qu'est-ce que c'est, Ndiandi? Merci pour le trésor, les gars. Maintenant, on peut s'en occuper nous-mêmes. Mais pour l'instant, on va se charger de vous. Attrape-les, Rocco. Vite, ami! Rapidement vers la sortie! Tout va bientôt s'écrouler! Razor, on doit sortir d'ici, aussi vite que possible. Et quoi? Et que fait-on du trésor? Regarde un peu, il y en a tellement! On s'en fiche du trésor, nous devons partir d'ici. Viens, Razor! C'est trop tard, Razor. On dirait bien qu'on est pris au piège. Ne panique pas. On va faire quelque chose. Rocco, je pense qu'il y a une autre sortie ici. Viens. Et pour Razor et Rocco, il y a un mur de pierre dans la grotte maintenant. Oh! Ne t'inquiète pas pour eux. Ils iront bien. Ces bandits trouveront une autre sortie, c'est sûr. C'est tellement dommage que la sortie soit bloquée par les pierres. Il y a tellement de trésors dans la cave. Oh, comment as-tu réussi? Bien joué! C'est pour toi! C'est exactement le même rubis! C'est si beau! Merci beaucoup, Ndiandi! Merci, mon Dieu, je pensais qu'on ne sortirait jamais. Nous avons eu de la chance de pouvoir sortir. J'ai cru qu'on resterait là pour toujours. Nous nous sommes presque fait écraser par les rochers. Ndiandi a gagné cette fois-ci. Mais ce n'est pas grave, nous allons nous venger. Et très bientôt. Ndiandi et Amy ont décidé de présenter une vieille pierre qu'ils ont trouvée dans la grotte au musée de la ville. C'est une super idée. Alors vous avez tout compris? Ça sera votre dernière chance. Ne la gaspillez pas. Tout sera parfait, patron. Tu peux faire moins de bruit, Rocco. On n'est pas en train de se promener dans le parc. Je ne l'ai pas fait exprès. Le chat a couru dans mes jambes. Comment tu connais le code? On n'a pas le temps de parler. Allez, viens, vite! Écoute, comment on va faire avec les rayons infrarouges? Nous allons hacker le système de sécurité et éteindre les rayons. Ceci va nous aider à hacker le système de sécurité du musée. Maintenant, il va identifier le code du système et l'éteindre.
Et voilà, cela n'a pris que quelques secondes, et on l'a fait. Prends le rubis et allons-y. Allez, plus vite! C'est quoi ça, Razer? Plus vite, va-t'en d'ici. La pierre, n'oublie pas la pierre. Appel à toutes les voitures, il a eu un vol au musée de la ville. Une ancienne pierre a été volée. Le camion orange doit être bloqué immédiatement. Plus vite, ils nous suivent, plus vite. C'est le maximum que puisse faire ce vieux camion. Arrêtez-vous immédiatement! Rendez-vous! Ne l'écoute pas! Appuie sur l'accélérateur! Nous n'abandonnerons pas! Tiens-toi prêt! Ils vont quitter le tunnel maintenant! Ah! Tiens bon! Ils s'échappent, ils ont brisé le blocus. Tiens bon le volant, Rocco. Écoute-moi. Non! Maintenant, c'est bon! La police va s'occuper de vous maintenant, c'est fini! Oui, Rocco, nous avons perdu aujourd'hui. Le patron va nous tuer. Allons, j'écoute. Ouais, monsieur l'officier de police. Ils ont décrit leur patron dans les moindres détails, mais surtout, ils nous ont dit où ils pourraient se cacher. Vraiment? Nous allons y aller et l'arrêter. Es-tu avec nous? Bien sûr que j'en suis. Je vous rejoins dans quelques minutes. Attention, écoutez-moi attentivement. Nous allons maintenant nous rendre dans la vieille usine abandonnée qui est à la limite de la ville. Nous devons attraper le patron coûte que coûte. Soyez prudent, nous avons affaire à un dangereux bandit. Rendez-vous! Nous savons que vous êtes là! Sortez les mains en l'air! Rendez-vous! Je répète, rendez-vous! Vous êtes encerclés! Waouh! Incroyable! Regardez combien de voitures chères il y a ici! Je pense qu'elles sont toutes volées! Vous avez décidé de m'attraper. Aucune chance, les gars. Appel à toutes les voitures. Poursuivez cette voiture. C'est le patron. Nous devons l'attraper.
Vous n'êtes pas assez forts pour m'attraper, les garçons. Vous êtes faibles. Vous n'imaginez même pas qui vous affrontez. Nous devons l'attraper. On reste ensemble, les gars. Concentrez-vous. Nous ne pouvons pas le perdre. Il est costaud. Soyez très prudents. Il est prêt à tout pour pouvoir s'échapper. Ça y est, les garçons. Je vous dis au revoir. Qu'est-ce qu'il fait? Poursuivez-le, nous devons l'attraper. Oh, nous l'avons perdu. Encore pas de chance. Le patron savait que nous venions pour lui. Il avait un plan pour s'échapper. Et ça a parfaitement marché. Il a réussi à nous échapper cette fois, Andy Andy. Nous trouverons un moyen de l'attraper. Je vous le promets. Aujourd'hui, tu es sûr? Arrête de me demander, Rocco. Nous avons reçu un ordre du patron d'attendre. Alors, on attend. Bonjour. Livraison de nourriture. Qu'est-il arrivé à Tom? Il livre toujours la nourriture avec son camion. Tom a attrapé froid. C'est moi qui le remplace. Vous pouvez rentrer. Surprise! Qu'est-ce que c'est? Le feu? Razer, qu'allons-nous faire? Attention, évacuation complète! L'alarme incendie s'est déclenchée dans le bâtiment! Tout le monde doit sortir! Je répète, tout le monde dehors! Patron? Bon plein, patron. Tu en doutais? Vite, avant qu'il ne réalise la supercherie, dépêchez-vous!
Fausse alarme! Ils nous ont piégés! Il n'y a aucun feu! Razer et Rocco se sont échappés! Nous poursuivons le camion. Razer et Rocco sont à l'intérieur. Nous pensons que c'est leur patron qui conduit. Soyez tous prudents. Ces bandits sont très dangereux. J'ai bien ton message. Nous suivons le camion. Razer et Rocco se sont échappés. Ça va être une vraie course maintenant. Nous devons les attraper. Ils vont très vite. Regardez ce qu'ils sont en train de faire. Ils réalisent que c'est leur dernière chance pour s'enfuir. C'est pour ça qu'ils conduisent comme des fous. Attention à toutes les voitures. Nous avons besoin de plus de voitures pour arrêter ces bandits. C'est Andy, j'arrive pour vous aider. Je vous rejoins vite. C'est super, Andy. Nous avons besoin d'aide. Il y a un tunnel en approche. Nous devons le bloquer. Je suis presque à côté de l'entrée du tunnel. Je vois la voiture de police. Nous sommes là, on attend le camion, nous sommes prêts à le bloquer. Super! Alors nous allons bloquer l'entrée du tunnel. Maintenant les bandits vont être pris au piège. Nous avons bloqué les deux côtés du tunnel. Quelque chose ne va pas, ils sont en retard. Ils devraient être là depuis longtemps maintenant. Je n'aime pas ça, ce n'est pas bon. Une ambulance! Laissez-la passer! Je répète, laissez-la passer! Je ne peux pas attendre plus longtemps. Quelque chose ne va pas ici. Comment pouvait-on savoir qu'ils allaient transférer vers une ambulance ? Nous avons laissé passer jusqu'à nous pensions qu'elle allait sauver quelqu'un. Nous devons faire plus attention la prochaine fois. Ha 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 ha